Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir changer les coques de vos manettes, les touches de vos manettes, et je vais même vous expliquer comment vous allez pouvoir ajouter des palettes à vos manettes. Donc, c'est des palettes avec des composants qu'il va falloir rajouter dans la manette. Donc, je vais vous expliquer et je vais vous faire un tuto comment monter et enfin démonter et monter les nouveaux accessoires que vous avez achetés sur votre manette. Donc, il faut savoir aussi qu'en description, en commentaire épinglé, il y a le site Gaming Cobra où j'ai acheté justement tout ceci. Qui vous propose d'acheter des palettes, des coques, plusieurs différentes coques. Je vous mettrai un lien vers une vidéo où je vous présente le site et tout ce que vous allez pouvoir acheter. Il y a vraiment énormément de choses. Donc des LED et tout, vous pouvez mettre des LED sur vos manettes, sur vos consoles, sur Xbox, PS4, etc., etc. Donc il y a vraiment tout sur ce site répertorié. Et en plus de ça, si vous y allez avec mon lien d'affiliation, donc de partenaire, eh bien, vous aurez 10% sur tout vos achats sur ce site, donc profitez-en. Et là, c'est parti, je vais commencer par la première partie qui est de démonter la manette. Donc très important, petite information, si vous voulez ajouter des palettes à l'arrière de vos manettes, comme ceci, je vais vous montrer sur mon autre manette, donc comme ceci, si vous voulez ajouter des palettes ici à l'arrière de votre manette, il faut absolument que votre manette soit d'un modèle, donc le modèle, il est écrit juste ici, modèle SFIZCT1. Donc il faut absolument qu'il soit marqué ça. Si après le double S, si après le ZCT1W, il y a un petit A, ça veut dire que c'est pas un bon modèle de manette et les palettes ne fonctionneront pas. Donc ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire dans mon précédent tuto parce que je ne le savais pas. Et voilà, donc pour les palettes, si vous voulez un tuto uniquement pour les palettes, je le mettrai en description et en commentaire épinglé. Là, je fais un tuto pour tout ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est parti pour la première étape qui est le démontage de la manette. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que si vous démontez votre manette de PlayStation 5, parce que oui, c'est des palettes sur PlayStation 5 et comment démonter une manette de PlayStation 5, vous perdrez la garantie de votre manette. Alors il faut savoir aussi que si vous achetez un pack avec une console PlayStation 5, la manette qui est inclue dans le pack PlayStation 5 n'est pas garantie. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette manette que j'ai achetée avec le pack PS5 qui n'est pas garantie. Vous pouvez regarder dans votre notice, il est bien marqué que les accessoires vendus avec le pack de la PlayStation 5 n'est pas garantie et uniquement la console est garantie au cas de dysfonctionnement. Alors bien entendu, ça c'est une nouvelle manette que j'ai achetée au magasin qui est garantie, mais je vais la démonter et là je vais perdre la garantie, c'est logique. Alors dernière petite information aussi, à propos de tous les équipements, donc par exemple les coques, les palettes et tout ça, vous avez une garantie de 1 an sur le site offert de Gaming Cobra. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a un dysfonctionnement ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites marcher la garantie et il vous remplace les pièces qui ne fonctionnent pas. Alors aussi, quand vous allez acheter des palettes ou des coques sur le site, ils vous fourniront une petite spatule comme ça pour pouvoir démonter la manette et ils vous fourniront un tournevis et des vis pour pouvoir monter les palettes sur la manette. Donc voilà, c'est c'est fourni avec le pack que vous allez acheter. Et dernière petite chose à propos du site internet Gaming Cobra, c'est qu'en description, il y a un code créateur, un code promotionnel plutôt, de moins 10%. Donc, si vous avez déjà été sur le site Gaming Cobra et que vous n'êtes pas passé par mon lien d'affiliation, donc de partenaire, c'est pas grave, j'ai quand même un code. Le code, c'est SCM, donc quand vous êtes à la validation de votre achat, il vous demande si vous avez un code de réduction. Si vous tapez SCM, eh bien, vous aurez 10% sur tous vos achats. Donc voilà, c'est tout pour mon instant promotion. Ok, donc c'est parti pour le démontage de la manette. Donc première chose, vous allez devoir utiliser cette petite spatule. Ensuite, avec cette spatule, vous allez enlever les deux touches L1 et R1. Donc vous appuyez sur la touche R2, vous mettez votre petite spatule en dessous. Et vous faites office de levier, comme ceci. Mettez bien votre pouce sur la touche pour ne pas qu'elle s'expulse dans votre visage. Voilà. Ensuite, vous mettez la touche de côté pour ne pas la perdre. Et vous faites pareil avec la touche L1. Donc voilà, quand vous entendez le petit clac, ça veut dire qu'elle s'est bien
d'éclipser. Donc maintenant, je vais mettre les touches sur le côté pour ne pas les perdre. Ensuite, la deuxième étape, c'est de détacher le dessous, donc toute la face noire ici. On va la détacher avec la petite spatule toujours. Vous allez mettre votre petite spatule ici, vous allez essayer de l'enfoncer comme ceci et ensuite vous faites levier. Désolé pour la qualité de la caméra, mais j'ai pas mieux pour le moment. Donc là, regardez, j'ai réussi à la déclipser. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous mettez votre petite spatule, hop, et vous faites office de levier. Voilà, comme ceci. Faites attention de ne pas casser les manches. Hein. Donc quand vous avez démonté les deux côtés, là, vous allez essayer de les déclipser du bas, hein, comme ceci, là, vous voyez. Hop. Donc là, ça devrait être bon. On sort le côté et on essaie de déclipser. Voilà, regardez, j'ai réussi à déclipser le bas. Et maintenant, vous allez tout simplement faire gauche, droite, pour enlever, en fait, les deux hauts. OK. Voilà, j'ai réussi. Donc voilà, faites attention aux deux petites tutes là pour ne pas les casser. Maintenant que vous avez démonté ça, vous la mettez de côté pour ne pas les perdre. Alors maintenant, vous allez démonter la manette avec votre tournevis. Donc vous prenez votre tournevis et là, vous allez démonter les vis que vous voyez ici. Donc il y en a une juste ici et il y en a une de l'autre côté. Donc c'est parti, vous prenez votre petit tournevis fourni avec, vos palettes ou votre coque et vous dévissez les deux petites vis du haut. Ok, donc en plus le tournevis a un petit aimant, donc c'est bien, ça tient la vis, donc ça c'est cool. Donc la vis, mettez-la quand même de côté au cas où. Bon, après le site vous fournit des vis supplémentaires, mais voilà, essayez de ne pas les perdre quand même, mettez-les de côté. Voilà pour les deux premières vis. Maintenant on va démonter les vis du bas. Donc il y a une vis juste ici et une vis juste ici. C'est parti, on démonte les deux vis du bas. Et voilà, maintenant on met les vis de côté. Alors maintenant, vous allez utiliser votre petite spatule et vous allez devoir démonter la face arrière, donc la coque arrière. Donc pour ce faire, vous allez devoir démonter les deux petites tutes que vous voyez juste ici. Voilà, il y en a une ici à droite et une ici à gauche. Donc, désolé pour le focus, hein, mais la caméra n'est pas de qualité. Donc là, ce que vous faites, ben, c'est que vous placez votre petite tute comme ça et vous les séparez, donc vous les déclipsez. Voilà, je pense que là, c'est bon, elles sont bien déclipsées. Ensuite, attendez, on va quand même vérifier. Non, il y en a une qui est encore clipsée. OK, voilà, c'est bon, j'ai réussi à les déclipser. On a entendu un petit clac. Alors maintenant, vous allez devoir, avec votre petite spatule, séparer la coque arrière. Donc vous mettez votre petite spatule comme ça ici et vous faites levier jusqu'à temps que vous entendez un petit clac jusqu'en haut. OK, c'est bon, j'ai réussi. C'est assez galère, hein. Je vous assure que vers le haut, vers ici, vers le haut, ça se déclipse très très mal. Hein. Donc il faudra forcer un petit peu. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. OK, c'est bon, j'ai réussi. Avec beaucoup de difficultés, mais j'ai réussi. Ensuite, vous avez juste à mettre la manette comme ça et le déclipser. Normalement, ça se déclipse normalement assez facilement. Comme j'ai tout déclipsé, peut-être c'est vers le haut. Ah ouais, c'est vers le haut, je crois. Ouais, voilà. Vous faites une petite pression vers le bas pour le monter vers le haut. Voilà, de gauche, droite, comme ça. Vous faites une petite pression. Donc là, ça enlève, ça fait monter les deux trucs à gauche et à droite. Et ensuite, ben, vous essayez de sortir la coque arrière sans tout casser. Hein. Faites un peu attention quand même. Voilà. Là, j'ai réussi. Maintenant, je mets la coque de côté. Alors maintenant, vous allez démonter la batterie. Donc cette batterie, vous la mettez sur le côté et ici, le fil, vous allez devoir le débrancher. Hop, faites attention de ne pas casser le fil. Donc là, c'est une question un peu de précision. Enfin, il faut avoir des ongles pour pouvoir enlever la prise qui est juste là, regardez. Voilà, il y a une prise juste là. Et il va falloir mettre son ongle et faire gauche-droite. Donc regardez, hop. Là, je fais gauche-droite. Jusqu'à temps de débrancher la prise. Il faut bien tirer sur le truc blanc et pas sur les fils. Hein. Sinon, vous allez démonter les fils.
Après, vous pouvez peut-être essayer avec la spatule, mais je crois pas que ça ira. Non, je préfère essayer avec mes ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, ben, vous êtes dans la merde. Demandez à votre copine ou quoi. Donc là, j'ai démonté la batterie, je la mets de côté. Alors maintenant, vous allez démonter trois vis. Donc il y a une vis juste ici, il va falloir démonter, une vis juste là et une autre vis juste ici. Donc on va commencer par celle de droite, hop. Maintenant on fait celle du milieu et on fait celle de gauche. Alors je vous conseille de détacher celle du milieu en dernier parce que vous avez vu, le truc a failli se détacher. Bon après, faudra quand même le démonter mais bon. Détacher d'abord celle de gauche et celle de droite, puis celle du milieu, ce sera plus simple. Alors maintenant, au milieu de la manette, en bas, ici, il y a un petit composant que vous allez devoir détacher vers la gauche. Donc, c'est ce que je vais faire. Utilisez vos doigts, normalement, ça devrait être bon. Et là, en fait, vous faites une petite pression juste sur la gauche. Vous pouvez tirer sur le petit câble là, parce qu'en fait, le caoutchouc, j'ai vu que quand je tirais dessus, ben, j'ai presque failli l'arracher. Donc essayez de tirer sur le câble ici à gauche pour le débrancher parce qu'en fait il était branché juste à droite. Ensuite vous le passez sur le côté comme ça, hop, et là vous allez enlever la plaque noire, tout simplement. En fait la plaque noire était accrochée au composant du bas, donc il fallait la détacher en premier. Donc là je vois que, qu'est-ce qui bloque? Ok, c'est bon, c'est réussi. Dans ça je mets la plaque noire de côté. Alors maintenant vous allez devoir détacher 4 composants. Donc il y a un composant juste ici en haut, donc juste là, que vous allez devoir détacher. Un composant qui est juste ici à droite, un composant juste ici à gauche et un composant juste ici en bas. Donc là, on va détacher le composant qui est juste ici. Vous voyez, il y a une petite languette, une couleur noire ici, où vous pouvez passer vos ongles de gauche à droite. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre mon ongle, ou peut-être même la spatule, ce sera peut-être plus simple. Hop, je tire un peu à gauche. Puis après, je tire un peu à droite jusqu'à temps que le composant se détache. Voilà, j'ai réussi. Donc vous voyez en gauche-droite, ça fonctionne bien. Pas besoin de forcer. Donc là, on l'enlève complètement. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va enlever ce composant-là ici à droite. Ici à droite, c'est super simple. Il y a une languette. Vous tirez sur la languette et c'est bon, comme ça. Regardez, hop. Tirez sur la languette, gauche-droite aussi un petit peu. Et voilà, ça le détache. Pareil pour cette languette-ci. Il y a toujours une petite languette qui vous permet d'avoir un accroche en fait. Donc servez-vous des petites languettes pour débrancher les composants. Et bien entendu, faites gauche-droite pour ne pas abîmer les composants et faire une connerie. Parce que si vous cassez le composant, ben, vous êtes dans la merde. Donc voilà, là j'ai débranché les deux de gauche et de droite. Maintenant, je vais débrancher celle du bas qui elle aussi a un petit, une petite languette qui va me permettre de tirer dessus. Donc, bien entendu, il faut avoir des mains de chirurgien pour faire ce genre de choses, parce que c'est tout en miniature. Hop, on fait gauche-droite. Et voilà, c'est réussi. Maintenant, c'est parfait. Alors maintenant, quand vous avez débranché les 4 composants, vous appuyez sur les analogues du bas pour faire sortir la carte mère. Voilà, comme ceci. Vous appuyez sur les deux analogues pour faire sortir la carte mère comme ceci. Alors faites très attention à ces deux câbles là pour ne pas les arracher parce que maintenant vous devez faire ça avec votre carte mère, la mettre en arrière comme ceci. Voilà, parfait. Alors ensuite vous avez deux petites vis à débrancher ici, enfin à dévisser ici. Donc une à gauche et une à droite. Donc là c'est ce que je vais faire, hop, je dévisse celle de gauche en premier. Voilà, et maintenant je dévisse la deuxième. Voilà, parfait. Maintenant, vous allez pouvoir détacher la face avant de la manette. Comme ceci, hop. Vous détachez la face avant de la manette. Voilà. Comme ça, il ne vous reste que votre manette principale, la carte mère, et la face avant de la manette est juste ici. Alors maintenant, je vais continuer pour vous expliquer comment changer la face avant avec tous les boutons et toutes les touches. Cependant, ceux qui étaient intéressés uniquement par les palettes, ben vous allez attendre parce qu'en fait, je vais d'abord présenter comment changer les touches et tout ça, les coques, et ensuite je reviendrai sur les palettes après. Donc ça,
vous les mettez, vous mettez la manette et le composant de côté, donc la carte mère de côté. Et maintenant, non, on va passer à l'avant de la manette. Alors déjà, apprêtez toutes vos touches que vous voulez changer. Et ensuite, première étape, c'est de changer, c'est de dévisser la plaque qui est juste ici. Donc, vous avez deux vis, il faut les dévisser. Vous avez une vis à gauche, une vis juste à droite. Mettez bien les vis de côté pour ne pas les perdre. Et là, vous dévissez celle de droite. Et voilà, vous mettez bien la vis de côté. Alors là, vous allez pouvoir enlever la plaque qui est juste ici, comme ceci, vous voyez. Et là, vous allez devoir remplacer ça par ceci. Alors là, vous allez devoir enlever cette carte mère du pad. Alors, cette étape étant quand même assez compliquée, donc faites très attention. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre spatule en dessous de la carte mère. Donc, vous la passez comme ceci, voilà, et vous faites des gauches-droites. Gauche-droite pour essayer de la décoller, parce qu'en fait, elle est collée. Hein. Donc, il y a un autocollant juste derrière, donc il faut vraiment faire attention de ne pas casser la carte mère. Prenez bien votre temps pour réaliser cette étape. Faites des gauches-droites, gauche-droite. Faites levier gauche, levier droite. Il faut faire un petit peu de pression, mais il ne faut surtout pas casser la carte mère, sinon ben, vous êtes dans la merde. C'est parti. Ça se décolle plutôt bien, j'ai l'impression. Ça se passe plutôt bien. J'espère que pour vous aussi. J'entends le collant qui se décolle, c'est parfait. Hop. Donc là, j'ai déjà... Oups. Là, j'ai déjà bien décollé un peu le truc. Donc, on va continuer. Hop, on remet la spatule ici. Et on continue à faire des gauches-droites. Je ne sais pas si j'étais dans le champ de vision juste avant, j'espère. Ok. Ok, j'ai réussi. Très compliqué, très compliqué. Regardez tout le collant ici. Très compliqué d'enlever tout ça. Hein. Là, vous l'enlevez. Donc, recollez-le directement à la plaque juste ici. Vous voyez, vous avez des petites tutes sur le côté. Vous mettez la petite tute comme ça, hop, sur l'autre côté aussi. Et là, vous faites une pression pour que ça recolle sur votre nouvelle plaque, sur votre nouveau pad. Donc, c'est une étape la plus difficile pour changer les côtes. Si vous voulez juste changer la coque de votre manette, cette étape est la plus compliquée, je trouve, la plus complexe. Après, le reste, c'est plutôt facile, mais cette étape est toujours galère parce que l'autocollant colle très, très bien et j'ai toujours peur de casser, en fait, la carte mère. Donc là, normalement, elle est bien recollée. C'est parfait et c'est sur ma nouvelle palette, enfin, mon nouveau pad. Bien entendu, mettez ça de côté. Tout votre ancienne coque, laissez-les de côté pour ne pas les perdre. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Alors maintenant, ça, on va la mettre de côté. Voilà. Et ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est enlever toutes les touches. Donc, vous enlevez le caoutchouc. Le caoutchouc des flèches. Et le caoutchouc des boutons. Voilà. Enfin non, bah, c'est à l'inverse. Pareil. Ensuite, bah, vous enlevez les touches. Comme ceci. Vous pouvez même retourner la manette hein, pour enlever tout d'un coup. Voilà. Et ça, vous mettez de côté. Ah oui, il y a les deux touches aussi ici qu'il faut enlever. Hein. Donc, qui étaient ici, ici, vous les enlevez. Voilà. Et là, ben, vous avez ça. Vous pouvez l'enlever. Mais par contre, vous devez récupérer ces deux petits trucs-là. Donc, vous enlevez le caoutchouc ici. Donc, le bouton PS, il faut le récupérer. Hein. Vous enlevez le caoutchouc. Voilà. Vous récupérez le petit bouton PS. Où, vous appuyez pour allumer la manette. Voilà, vous l'enlevez. Et vous enlevez le petit bouton mute juste ici. Donc, pour l'enlever, c'est pareil. Vous tirez dessus pour l'enlever. Voilà, donc ça c'est le petit bouton mute qu'il faut récupérer. Et il faut récupérer aussi ce petit truc là, cette petite languette. Alors pour enlever ceci,
Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever le caoutchouc. Parce que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à l'enlever. Donc, vous enlevez le caoutchouc. Voilà, comme ceci. Vous enlevez le caoutchouc. Et ensuite, vous pouvez passer le composant dans le petit trou comme ceci. Parce que sinon, ça passe pas vraiment. Voilà, parfait. J'ai réussi à l'enlever. Maintenant, vous remettez directement le caoutchouc. Hein. Alors, pour remettre le caoutchouc, très important, le côté métallique que vous voyez ici doit être en dessous, doit être derrière, comme ça. Donc, le petit trou doit coller sur le truc métallique et le rond doit être en dessous du truc métallique. Donc là, vous séparez, hein, le caoutchouc, vous le séparez en deux. Il y a une petite fente, c'est fait exprès. Hop, comme ceci, vous voyez, c'est séparé en deux. Et là, vous mettez le petit truc métallique vers le bas où il n'y a pas le rond, où il y a juste un petit trou. Vous remettez le composant comme il le faut, comme il l'était en fait, tout simplement, comme il l'était. Voilà. Regardez. S'il veut bien faire un focus. Bon, il ne veut pas trop faire de focus. Mais voilà, on peut voir que le composant métallique, il est vers le bas et le truc rond est vers le haut. Ok ? Là, vous avez bien remis le caoutchouc. C'est parfait. Alors maintenant, ce n'est pas encore fini parce que regardez, il reste encore un caoutchouc que vous allez devoir enlever. Le caoutchouc noir juste ici. Hop, donc vous l'enlevez. Avec votre spatule, peut-être ce sera plus simple. Et voilà, donc là j'ai réussi à l'enlever. Il est accroché par des petites tutes à chaque fois. Donc n'hésitez pas à tirer, de toute façon c'est du caoutchouc. Ça ne va pas casser, ça ne va pas céder. Ensuite, enlevez aussi le truc blanc que vous voyez juste ici. Enlevez-le. Voilà, comme ceci. Et là, normalement c'est bon. Alors si vous n'avez pas ces deux petits trucs ronds là, vous pouvez les enlever aussi, mais je pense que c'est fourni avec. Hein. Donc c'est des petits ronds comme ceci. Donc si vous ne les avez pas, ben, vous les enlevez aussi. Et si vous les avez sur le nouveau pack, enfin les nouvelles coques, normalement il est fourni avec, donc pas besoin de les enlever. Mais si jamais vous ne les avez pas, ben vous les enlevez pour les remettre sur la nouvelle coque. Donc ça, cette coque là, on la met de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Alors j'avais complètement oublié de mettre ces deux ronds là sur la manette, donc sur la nouvelle face. Donc j'ai dû redémonter toute la manette. Vous verrez bien que pendant le reste de la vidéo, je n'ai pas mis ces deux ronds là, donc j'ai dû tout redémonter pour vous montrer comment placer ces deux petits ronds là. Donc en fait c'est très très simple, vous placez votre rond dans les petites encoches, plus ou moins, et ensuite vous allez faire une petite pression pour les attacher. Voilà, il faut bien que le rond soit attaché partout. Voilà, comme ceci. Regardez, là il manque un petit morceau ici. Donc il faut que les petites encoches soient bien enfoncées à l'intérieur du joystick. Voilà, comme ceci. Et là maintenant vous faites la même chose sur celui du côté gauche. Voilà, vous enfoncez le haut, puis vous enfoncez le bas. Ensuite vous enfoncez la gauche. Comme ceci, et là vous regardez à droite s'il est bien enfoncé partout. Ok, tout est bien enfoncé. Alors maintenant on récupère la nouvelle coque, on la retourne et on va déjà installer ce petit composant, enfin cette petite coque juste ici en haut. Vous la replacez à sa place, voilà, comme ceci. Regardez que c'est bien clipsé partout. Parfait. Ensuite on va remettre le caoutchouc qu'on a enlevé juste avant, donc faut bien le remettre dans le bon ordre. Voilà, c'est comme ceci. Et là ben vous appuyez un peu partout, donc ça se remet beaucoup plus facilement que ça ne s'enlève, parce que pour l'enlever ben j'ai dû forcer un peu, c'était un peu galère. Mais là pour le remettre ben, c'est très très simple, vous le mettez dans sa bonne position et il se place tout seul. Alors maintenant nous allons remettre le pad du milieu, donc il va falloir le faire passer, le pad du milieu va falloir le faire passer par ici, comme ceci, par l'avant. Et ensuite, nous allons passer le truc qui soutient le pad de l'avant par l'arrière. Très important, vous devez suivre
respecter cet ordre. Donc, le pad va à l'avant et la plaque à l'arrière droit va à l'arrière. Donc ici, il va falloir tout visser. Donc, il faut bien l'emboîter. Hop, voilà. Là, c'est bien emboîté. Et là, vous allez devoir revisser les vis que vous avez dévissées tout à l'heure. Oups. Voilà. Donc, faites ça en premier. Ne mettez pas les touches avant. Alors, très important, vissez bien la vis jusqu'au bout. Ne forcez pas comme un bœuf non plus. Mais il faut bien enfoncer la vis. Si vous enfoncez mal la vis, c'est possible qu'il y ait un dysfonctionnement. Pour replacer les composants juste après parce que ça va peut-être faire obstacle. Donc vissez bien toutes les vis que vous allez revisser, essayez de les visser très très vite, enfin très très bien quoi, jusqu'au maximum sans trop non plus exagérer, hein. Il ne faut pas casser la manette non plus. Donc là j'ai revissé les deux vis, je vérifie qu'elle est bien vissée, ouais c'est bon. Donc là j'ai revissé la vis de gauche en haut et la vis de gauche de droite en haut. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons replacer déjà le bouton PlayStation, juste ici. Voilà. Nous allons remettre le bouton Mute, juste ici. Voilà, on va reclipser tout simplement. Normalement, ça se clipse tout seul. Voilà. Ensuite, vous remettez le bouton du PS. Donc, regardez, hein, en haut à droite et en haut à gauche, il y a deux trous. Donc, ces deux trous, il faut qu'ils passent dans les tutes qui sont juste ici en bas. Donc, là, il y a deux tutes, il faut les remettre dans les petites tutes. Hop, vous faites une petite pression. Si vous voyez bien les tutes, les deux petites tutes en haut à gauche et en haut à droite, ça veut dire que vous avez bien enfoncé. Ici, elle n'est pas trop bien enfoncée. Hop. Vraiment, là, ça devrait être bon. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, nous allons remettre les touches. Donc, on va commencer par les touches X, carré, triangle. Donc, à l'arrière des touches, vous avez une sorte de symbole. C'est comme les jeux des petits où il faut mettre le triangle dans le triangle, le carré dans le carré, etc. Donc là, vous regardez comment vous allez pouvoir placer. Donc, celui-là, je remarque que c'est celui du bas. Hop, je le mets, il s'enfonce directement. Si bien sûr vous vous trompez de trou, ben ça n'ira pas. Donc celui-là, c'est celui de droite. Regardez, je me suis trompé, ce n'est pas celui de droite, apparemment. C'est celui du haut. Voilà. Voilà, il s'enfonce tout seul quand c'est le bon. Donc là, c'est celui de droite, je crois. Non. Non, ce n'est pas celui de droite, alors c'est celui de gauche. Voilà, de toute façon, si ça ne rentre pas, c'est que c'est pas bon. Et là, ben, le dernier va à droite, tout simplement. Hop. Maintenant, pour les flèches, pareil, hein, il y a une petite tute vers le bas, juste ici. Vous mettez la petite tute vers le bas. Voilà, c'est normal qu'il y a du jeu. C'est parce que ce sont les touches, les flèches. Donc, c'est normal. Alors, les flèches, maintenant, le caoutchouc des flèches, il est plus rectangulaire que celui des touches. Il est plus arrondi. Vous voyez, il y a une petite différence. Donc, c'est comme ça que vous pouvez repérer lequel est lequel. Donc, celui-là... ça va à droite. Alors là aussi, il y a quatre petits trous dans chaque extrémité, comme un carré là. À chaque extrémité du carré, il y a un petit trou. Et là, bah, en fait, il y a des petites tutes à chaque extrémité. Donc, il faut enfoncer les tutes. Donc, vous mettez le caoutchouc. Vous commencez par une petite tute. Hein. Vous voyez où est-ce qu'elle est. Hop, vous la mettez. Et vous enfoncez la petite tute. Ensuite, vous enfoncez la deuxième tute. La troisième et la quatrième. Et ensuite, bah, ça se met vraiment tout seul. Hein. Rien de très compliqué. Ensuite, pareil pour les touches à gauche. Il y a quatre petites tutes. Vous les mettez dans les caoutchoucs. Vous les faites accrocher au caoutchouc. Donc, elle est où? Elle est là. OK. Vous enfoncez la première, puis la deuxième, la troisième et la quatrième. Et voilà. Donc là, on a bien mis les touches. Alors maintenant, on va remettre ce petit composant-là. Vous auriez peut-être pu le mettre avant, mais je pense que c'est faisable. Hein. Ouais, il suffira juste de tenir la plaque, le pad, et il faudra venir mettre le composant juste ici, le faire passer dans le petit trou. Alors maintenant, on va remettre ce petit composant. En fait, j'aurais peut-être pu le remettre au tout début avant de remettre toutes les touches, mais c'est pas grave parce que regardez, quand je retourne la manette, il n'y a aucune touche qui tombe parce que tout est déjà fixé. Donc, c'est pas grave si vous le faites
avant ou après, c'est pareil. Donc là, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est refaire passer la petite languette dans le petit trou juste ici pour pouvoir remettre le composant juste ici. OK ? Donc là, il faut réussir à remettre, refaire passer la petite languette dans le petit trou juste en bas. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Donc voilà, maintenant je l'ai remis, c'est parfait. On va même l'attacher comme ceci. Voilà, on va le rattacher. Bam. Et maintenant, on peut retourner la manette. Alors, n'oubliez pas de rajouter des boutons options et share. Donc, vous les emboîtez, hein, vous les replacez à leur emplacement. Voilà, elles s'emboîtent tout seules de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Et celui-là, c'est de peut-être ce sens-là. Comme ceci. Voilà, parfait. Donc là, on a remonté toutes les touches de la manette de la face avant. Alors, j'avais encore oublié un autre truc à changer que vous verrez pendant le reste de la vidéo. J'avais oublié de changer le bouton R2 et L2. Donc, avec ces boutons-ci. Alors, très important, avec ces boutons, vous avez reçu un petit mécanisme noir. Enfin, un petit plastique noir comme ceci. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est entrer ce plastique noir dans la touche L2 R2, comme ceci. Donc quand il est enfoncé, on ne peut plus l'enlever. J'ai essayé de le relever, enfin je voulais tester pour l'enfoncer. Dès que je l'ai enfoncé, impossible de l'enlever. Donc voilà, là je vais vous montrer comment le placer. C'est très simple. Il y a un petit rail. Et en fait, ici il y a une petite barre. Et en fait la barre qui est au fond, qui est dans la touche, vous allez devoir l'emboîter dans le rail là. Donc vous prenez votre touche, donc le rond ici, il est à droite, hop, comme ceci. Et là, vous emboîtez, vous mettez la ligne du bouton et ensuite, vous faites une pression pour l'emboîter. Voilà, quand vous entendez le clac, ça veut dire que vous avez bien emboîté le plastique noir sur votre touche. Alors maintenant, vous allez devoir, c'est un peu complexe, hein, tout ce système, rien que pour changer de bouton, c'est très complexe, je trouve. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. Mais ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est enlever les 4 vis que vous voyez ici. Donc il y en a une ici, une là, une ici et une là. Vous allez devoir enlever ces 4 vis. Donc c'est parti. Alors, une d'enlever. Tenez la gâchette. Le mécanisme à l'arrière, parce qu'en fait, quand vous dévissez la deuxième vis, le mécanisme à l'arrière se détache. Hop, donc regardez. Ok, voilà, c'est bon. J'ai réussi à démonter celui de gauche. Et maintenant, on va démonter celui de droite. Et voilà. Maintenant, ceci, vous allez le mettre de côté. Faites attention de ne pas dessouder les câbles, sinon ce serait la galère. Ok, voilà. Alors là, moi, j'ai les deux mécanismes, mais déjà avec des anciens composants. Donc, j'ai les nouveaux composants, donc des palettes, parce que ben, je n'ai pas redémonté les anciens composants. Mais vous aurez, si vous voulez juste changer les touches, vous n'aurez pas un composant noir comme ceci. Vous aurez les composants orange comme ceci. Orange comme ceci. Donc, moi, ils sont noirs parce que c'est les composants des palettes à l'arrière. Donc, je les ai déjà changés. Je n'allais pas les redémonter, rien que pour vous montrer comment changer les boutons à l'arrière. Donc là, très, très important, ne vous trompez pas. Gardez bien le bouton L2 à gauche et le bouton R2 à droite. Parce que si vous remontez à l'inverse, je ne sais pas si c'est possible de les remonter à l'inverse, mais voilà, essayez de bien les placer à un endroit pour être sûr de ne pas vous tromper quand vous allez les remonter. Et si vous voulez, vous pouvez même en démonter un, changer la touche, puis en démonter un, puis démonter l'autre, puis changer la touche pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc moi, je vais commencer par le L2. Je vais laisser le R2 à droite, en haut à droite. Et le premier truc que vous allez devoir faire, c'est enlever le composant qui est juste ici. Le composant bleu, vous allez devoir l'enlever. Alors, soit vous prenez une pince à épiler. Je vais essayer sans pince à épiler. Si j'y arrive pas, je prendrai une pince à épiler pour enlever ce composant. Parce qu'il est très petit et il a l'air compliqué à enlever.
Alors, j'ai été chercher une pince à épiler parce que c'est trop galère. Donc là, ben, avec la pince à épiler, ça va être beaucoup plus facile. Vous placez votre pince à épiler comme ceci et vous tirez sans tirer trop fort. Faire attention de ne pas casser le composant. Enfin, faites ça avec délicatesse. Voilà, là j'ai réussi. Je l'ai détaché. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est enlever la vis qui était justement cachée derrière le composant. C'est pour ça qu'on a enlevé le composant, pour pouvoir dévisser cette petite vis. Vous dévissez cette vis. Alors cette vis, mettez-la bien de côté parce que ce n'est pas les mêmes que les autres vis. Elles sont beaucoup plus fines. Donc mettez-la dans un côté pour ne pas le perdre. Ensuite, vous retournez le dispositif et vous allez enlever les trois vis. Donc il y en a une ici et une ici. Donc c'est parti. Vous mettez bien les vis de côté et vous faites les trois vis. Et voilà, mettez bien les vis de côté. Alors ensuite, il faudra enlever le cache que vous voyez juste ici. Donc, tout simplement, vous tirez dessus et normalement, il s'enlève tout seul. Voilà, on le met de côté. Là, vous avez le mécanisme du bouton R2. Là, ben, pareil, hein, vous l'enlevez. Voilà. Et là, vous avez une petite barre. Donc faites attention de ne pas toucher à ça. Là, vous avez une petite barre que vous allez devoir enlever avec votre pince à épiler. Hop, c'est bon. Et là, normalement, vous avez accès à votre touche R2. Non, L2. Ouais, c'est la touche L2. Alors maintenant, il va falloir replacer la touche L2. Mais là, c'est très important. Vous voyez, ce petit morceau de plastique doit rentrer dans la touche du L2. Donc vous faites rentrer la touche du L2 comme ceci et ensuite vous la faites basculer pour que vous puissiez remettre la barre. Vous voyez, c'est important, il faut que la touche soit bien positionnée comme ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous mettez votre petite barre dedans et là vous allez devoir mettre le mécanisme. Donc ici, juste ici, il y a un mécanisme, un rouage où il y a un côté lisse et où il y a un côté avec des dents. Les dents doivent être vers le bas et le côté lisse doit être vers le haut. Donc vous mettez le côté lisse vers le haut, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre morceau de plastique qui est juste ici. Et là, vous allez rattacher le morceau de plastique à la barre du haut et vous allez l'enfoncer comme ça. Ensuite, vous verrez que vous allez pouvoir faire ça. Et là, regardez avec ma touche. Si ça fait ça, ça veut dire que vous avez réussi. Hein. Si la touche ne se remet pas toute seule et que ça ne fonctionne pas comme je suis en train de vous montrer, ça veut dire que la touche, vous l'avez mal placée. Donc, vérifiez bien que vous puissiez faire ça. Et là, regardez, en fait, j'ai fait une bêtise parce que regardez, j'ai l'impression qu'il ne va pas complètement jusqu'au bout. Ah si, c'est bon. Il faut vraiment que le plastique que vous avez rajouté au rouage remonte jusqu'au bout pour toucher le... pour toucher la touche. S'il ne va pas jusqu'au bout, eh bien ça veut dire que vous avez mal placé le rouage. Donc le rouage, vous pouvez le voir ici, il est lisse. Attendez, on va faire un focus. Et donc regardez ici, le côté lisse est dans l'angle du plastique. Quand vous avez bien réussi ça, vous le remettez droit, comme ceci. Et là, vous allez replacer l'autre plaque par-dessus pour pouvoir la revisser. Voilà, et maintenant vous revissez les trois vis, 1, 2 et 3. Donc c'est parti, je vais visser tout ça. Réutilisez bien les vis que vous avez enlevées juste avant, hein. Réutilisez les mêmes vis. Alors serrez les bien aussi comme d'habitude, mais ne serrez pas trop fort non plus. Donc voilà, quand vous avez mis les trois vis de ce côté-là, vous allez remettre la vis qui était en dessous du composant, juste ici. Hop, et vous vissez. Ok, c'est bon.
Maintenant, vous allez devoir rebrancher le composant. Donc, normalement, ça devrait se faire à la main. Hein. Pas besoin de la pince à épiler, je pense. On va essayer à la main, voir si ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne bien. Donc, renfoncez bien le composant bleu. Enfin, je ne sais pas de quelle couleur il sera le vôtre. Mais renfoncez bien ce petit composant dans sa prise. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et maintenant, nous allons passer à la touche R2. Donc, je prends ma touche R2 qui est juste ici. Ce mécanisme, je le mets à gauche parce que c'est le L2. Ensuite, ben pareil, hein, nous enlevons le petit composant juste ici avec la pince à épiler. On va mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être un peu mieux. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Ensuite, vous dévissez la vis qui était juste en dessous du composant. Comme d'habitude, vous mettez la vis de côté parce que c'est une vis spéciale, plus fine. Donc vous la mettez là, par exemple. Ensuite, vous retournez le mécanisme et vous enlevez les trois vis. Donc, 1, 2 et 3. C'est parti. OK. Donc, quand vous avez enlevé les trois vis, vous enlevez le plastique. Voilà. Vous le mettez de côté. Vous enlevez le mécanisme ici, donc le plastique. Hein. Vous voyez bien que le côté lisse que je vous ai dit tout à l'heure, regardez, il est exactement mis de la même façon que je vous ai montré sur l'autre palette. Donc, il faut vraiment le remettre de cette façon-là. Attendez, je vais essayer de faire un focus. Regardez, le côté lisse, il est vraiment dans l'angle. Ça, c'est le côté lisse. Il faut vraiment remettre le mécanisme de cette façon-là, sinon ça ne fonctionnera pas si bien votre manette aura des problèmes dans la gâchette adaptative, parce que c'est une PlayStation 5, donc les boutons R2 et L2 sont adaptatifs et c'est tout un mécanisme très complexe. Donc faites très attention à cette petite étape. Donc là, vous enlevez le plastique comme tout à l'heure. Hop. Et maintenant, vous allez enlever la petite barre métallique avec votre pince à épiler. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous enlevez la touche L2. Non, c'est R2, voilà. Et vous allez la remplacer par le bouton R2. Donc, comme d'habitude, vous rentrez le petit morceau de plastique ici, vous le rentrez dans la touche, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous mettez les ronds dans les autres ronds pour pouvoir remettre la barre. Voilà, comme ceci. Alors, quand ceci est fait, ben, vous pouvez faire ça. Vous appuyez, elle remonte toute seule. Donc, ça veut dire que vous avez bien replacé la touche. Maintenant, on va remettre le mécanisme comme il faut. Donc là, le côté lisse, moi, je ne vais pas le mettre sur le haut cette fois-ci. Je pense que... Attendez, je vais essayer de faire un focus. Voilà, je vais le laisser sur la gauche comme il l'était. Je vais peut-être même le bouger un tout petit peu histoire de bien le remettre. Et là, je place le mécanisme, enfin le plastique, sur la rouage, sur le rouage. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir. Ok, voilà, c'est bon, j'ai réussi, je crois. Boum. Et maintenant, quand je fais ça, on voit bien que le côté lisse est ici à gauche. Et je remonte jusqu'en haut de la touche. J'arrive à remonter jusqu'en haut de la touche. Voilà, parfait. Donc là, vous le remettez droit, centré, et vous replacez le plastique au-dessus pour pouvoir revisser la plaque. Donc avec les trois vis qui sont 1, 2 et 3. Donc c'est parti, on réutilise les bonnes vis pour revisser. Et de 1, là, je place la deuxième et je visse la troisième. Alors maintenant que j'ai vissé les trois vis, je retourne le dispositif et je revisse la quatrième vis qui était juste en dessous du composant qu'on a enlevé au tout début. Ok, maintenant que c'est revissé, j'essaye de remettre le composant à la main. Logiquement, tout à l'heure j'ai réussi, donc normalement je devrais y arriver une deuxième fois. Voilà, parfait, j'ai encore réussi. Je me sers de mon ongle, j'espère que vous en avez aussi parce que sinon ça va être un peu galère parce que je ne vais pas vous mentir que c'est quand même assez compliqué de faire tout ça. Hein. C'est très minutieux, il faut avoir de la patience, il ne faut pas s'énerver et c'est très délicat. Donc maintenant, le R2, on le met à droite
le L2, on le met à gauche. Et là, on va revisser les boutons à leur place. Donc, vous les remettez tout simplement comme ceci. Donc là, c'est le bouton L2. Vous reprenez deux vis et vous revissez une vis par une vis. Ok. Donc, quand vous ne pouvez plus tourner, ça veut dire que vous avez bien vissé la première vis. Là, j'ai vissé la deuxième. Ok, donc la deuxième ne tourne plus. Je l'ai bien vissé. Maintenant, on va rebrancher le bouton R2. Donc, on met le composant derrière. Le bouton derrière dans les trous. Et nous vissons les deux vis. Ok, donc là, j'ai bien vissé la première vis. Alors, faites attention quand vous bougez de ne pas dessouder ces deux câbles-là parce que c'est les câbles de la vibration de la manette. Alors, s'ils se déconnectent, bah, vous n'aurez plus de vibration. Et s'ils se déconnectent, c'est possible que bah, y ait d'autres problèmes de la manette. Donc, je ne sais pas si c'est uniquement lié aux vibrations, mais voilà, essayez de faire attention de ne pas les dessouder en tirant trop fort ou quoi. Ok, donc là, j'ai bien revissé les quatre petites vis, donc deux ici et deux ici. Maintenant, j'ai mes deux palettes qui sont fonctionnelles. C'est parfait. Alors, très important quand même, testez votre touche L2, R2. Si maintenant vous entendez que ça ne fonctionne pas correctement, qu'elle ne se remet pas droite ou que vous entendez un petit clac, un petit craquement ou quoi, ça veut dire que ben, vous les avez mal faites, vous les avez mal remontées. Donc, il faudra tout redémonter et tout remonter correctement. Il faut vraiment qu'elle soit comme à l'origine. Hein. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Quand vous avez fini, ben, vous mettez ça de côté pour la suite. Hop, comme ceci. Voilà, voilà. Maintenant, on va devoir remonter la face avant sur la manette principale. Donc, sur l'arrière, quoi, tout simplement, sur le composant principal. Hop, on prend notre manette avec la carte mère principale et nous allons placer, faites attention de ne pas arracher les câbles de la vibration, nous allons replacer la manette sur la face avant. Donc là, je pense qu'il faut que je fasse passer le haut d'abord. Voilà, voilà, c'est bon, j'ai réussi à remboîter la manette principale. Et maintenant, nous allons revisser les deux vis ici, une à gauche et une à droite. Donc, c'est parti. Alors, comme précédent dit, il faut bien visser les vis au maximum. Hein. Sans pour autant casser la manette, mais il faut visser les vis au maximum pour être sûr que il n'y ait pas de problème. Donc là, ça a l'air d'être bon. On va visser la deuxième. Ok, donc là, c'est bon, je pense que j'ai bien revissé le devant de la manette. Alors maintenant, on va passer aux composants pour ceux qui veulent des palettes. Donc pour ceux qui veulent juste changer leur coque de leur manette, ça ne vous concerne pas ce petit moment-là. Donc quand je vais changer les composants, vous ne devez rien faire. Alors, il y a plusieurs composants. Donc il y a déjà donc ce composant-là. Attendez, c'est quoi ce petit bouton-là ? Ok, ça, on en aura besoin pour après. On le met de côté. Donc ici, il y a ce fil rouge-là. C'est optionnel. Donc moi, je ne saurais pas vous montrer un tuto là-dessus parce qu'en fait, pour ça, il faut un câble à souder. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait, c'est simplement pour pouvoir mettre la touche R3 et L3 sur vos palettes. Et je ne connais personne qui utilise les palettes pour mettre ce genre de touche associé à R3 et L3 à leur palette. Donc franchement, c'est vraiment optionnel. Donc ça, je ne vais pas vous le présenter. Donc ce composant-là aussi fait partie du composant optionnel, donc R3 et L3. Vous n'en avez pas besoin. Par contre, tous les autres composants, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, sont à attacher sur la manette. Ici, c'est la carte mère des palettes. Ça, on va le mettre plus tard. Donc ça, c'est des composants que vous allez devoir mettre à brancher sur la manette. Donc le premier composant que vous allez devoir brancher, c'est celui-ci. Donc vous reprenez votre manette. Et ici, vous voyez, juste ici, il y a un composant déjà attaché avec deux tutes.
Et bien, vous allez devoir brancher ce composant-là sur les deux tutes juste ici en bas. Comme ceci. Voilà. Dans les deux petites tutes. Ok. Donc, il faut vraiment le mettre. Ça, c'est le côté collant. Il faut qu'il soit vers vous quand vous le placez. Parce que j'essaie de le placer dans l'autre sens, mais ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Hop. Et vous les faites accrocher par les deux petites tutes. Voilà. Alors, très important, si maintenant ce bouton-là est tombé, vous devez le replacer dans le trou qui est juste ici. Hein. Donc, c'est possible qu'il tombe. Moi, il est bien accroché, donc je ne vais pas l'enlever. Mais c'est possible que vous, il est tombé ou il est détaché. Donc, s'il est détaché, vous le remettez bien exactement là. Donc, le côté blanc face à la manette. Et ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever cette languette. Donc, ce composant, vous le levez et vous allez remettre votre carte mère de votre manette comme elle était. Alors, très important, faites attention parce qu'il faut que ce câble-là ne soit pas en dessous de la carte mère. Ils doivent être au-dessus. Donc, ce composant-là doit être au-dessus, celui-là aussi, celui-là en haut aussi. Et celui-là, il faut le faire passer aussi en dessous. Donc, vous prenez votre composant et vous faites en sorte de faire passer tous les autres composants du bon côté pour pas qu'ils soient bloqués par la carte mère. Parce que sinon, vous allez devoir redémonter la carte mère. Là, un petit problème avec celui-là. On va essayer de le remettre comme il faut. Voilà. Ensuite, on remet les analogues. Donc là, vous voyez, j'ai un composant qui est bloqué. Donc, je vais lever la carte mère. Je vais prendre mon tournevis et je vais le décaler vers la droite. Voilà. Ici, maintenant, c'est le composant à gauche qui est bloqué. Enfin, pareil, je prends mon tournevis et je le fais passer au-dessus de la carte mère. Ici, le composant du haut, on le fait passer au-dessus. Le composant du bas est bien au-dessus de la carte mère. Mais j'ai l'impression qu'il est bloqué. Ok, c'est bon, je vais débloquer. Il faut bien le mettre. Le composant du bas est très chiant. Hein. Très chiant à faire passer. Il est très petit, donc c'est un peu galère. Ok, donc là, je pense que tous les composants sont visibles. Et là, ben, il n'y a plus qu'à clipser vers le bas. Ah, il manque un composant. J'ai oublié encore un composant qui était juste ici en haut. Heureux que je le remarque avant de clipser entièrement la manette, que je vais faire passer aussi. Au final, il y a 1, 2, 3, 4, 5 composants à faire attention. Et là, je vérifie. Là, le bas. On ne veut pas se clipser. Pourquoi? Ok, c'est bon, c'est bien clipsé. C'est parfait. Cependant, j'ai ce composant là qui est parti un peu en couille. Effectivement, il est parti un peu en couille. Donc, je vais devoir relever la carte mère pour pouvoir refaire passer le composant du bas correctement à sa place. Voilà. Bon, le composant du bas est bien mis. Maintenant, je vais récupérer le composant du haut qui s'est bloqué en dessous de la carte mère. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Donc, c'est un peu galère, mais j'ai réussi. Donc, le seul problème, c'est que j'ai mon composant ici, du bas, qui sait que le caoutchouc s'est enlevé. Donc, je vous ai montré hein, tout à l'heure comment le replacer. Évidemment, la carte mère s'enlève en même temps. Donc, il va falloir le replacer, donc c'est le petit caoutchouc. Normalement, vous, ça ne devrait peut-être pas arriver. Moi, c'est arrivé, donc il va falloir que je le replace correctement. Donc, la tute vers le bas et le métal vers l'arrière. Ok, parfait, j'ai réussi à reclipser le caoutchouc. Donc, maintenant, on va le replacer correctement en son emplacement. Voilà. Le composant ici est encore en train de se barrer. On va le remettre correctement. Ok, donc là j'ai réussi à replacer tous les composants
au-dessus de la carte mère. Même la petite qui me dérangeait. Donc vérifiez bien que tous les composants soient au-dessus, hein, comme je vous ai montré juste avant, tous les composants que je vous ai montrés. Alors, quand vous avez placé ces composants et que vous avez replacé la carte mère, ce que vous devez faire, c'est rebrancher les composants. Donc on va commencer par celui du bas parce que c'est le plus chiant. Donc hop, on met le composant donc, du bas dans la prise blanche. On renfonce le composant avec la petite languette. Voilà, c'est bon. Là maintenant, on va prendre la languette, enfin le composant du haut avec la languette et on va le replacer dans sa prise. Donc vous voyez la petite barre blanche, il faut vraiment l'enfoncer jusqu'au composant, jusqu'à la carte mère pour qu'il soit bien attaché. Alors maintenant, on va enlever les deux composants de gauche et de droite parce qu'on n'en a plus besoin. Donc ici, celui de droite, il y a une petite languette derrière qui est bien cachée. Hein. Vous faites ça vers le bas, elle est bien cachée, vous prenez la languette et vous les enlevez en faisant gauche, droite, voilà, et ça vous l'enlevez, vous le mettez de côté, on ne l'utilisera plus, ça c'est pour les palettes, on va remplacer les composants, ces deux composants de droite et de gauche, on va les remplacer, donc pareil sur la gauche, vous prenez la petite languette et vous faites gauche, droite, pour enlever le composant, donc là, ça c'est bon. Alors maintenant, vous prenez le composant que je vous montre à l'écran. Donc c'est le composant Extreme Rate R1, R2. Donc, ce composant-là, vous allez le mettre ici à gauche. Regarde, mais vous allez le mettre comme ça, à l'envers. Okay ? Et regardez, à gauche, vous allez là où vous avez enlevé le composant de gauche, vous allez remettre le composant, ce nouveau composant, avec la petite languette. Donc, vous replacez ce composant-là dans la petite prise, hop, comme ceci, faites gauche, droite, attendez, je l'ai mal placé, voilà, vous faites gauche, droite, et vous placez le premier composant. Donc enfoncez bien, il faut que les deux tutes, je vais essayer de vous montrer, il faut que les deux tutes noires soient bien enfoncées. Hein. Ici, vous voyez que c'est bien enfoncé jusqu'à la carte mère. Alors ensuite, nous allons attacher ce composant de l'autre côté, juste ici où on avait enlevé l'autre composant. Donc, hop, avec toujours la languette, vous faites une pression avec la languette. Essayez de le prendre la languette en main, ce sera plus simple, voilà. Et vous l'enfoncez pour que les deux tutes de la languette de droite et de gauche soient bien enfoncées dans le composant à droite et à gauche. Ok. Voilà, ça donne ça. Ça donne ceci. Alors maintenant, on va placer le composant L1 et L2. Vous prenez le composant, vous le retournez comme ceci, vous récupérez la petite languette et là, vous allez le placer sur la droite de la manette, donc dans cette petite prise. Voilà. Et ensuite ici, quand vous retournez le composant, vous avez une autre prise que vous allez devoir brancher dans la prise juste ici. Là, hop, et vous faites gauche-droite pour l'enfoncer. Faites attention de bien l'enfoncer comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, ça fait un petit rond comme ça. Vous voyez, c'est un petit rond, petit arrondi comme ça. Mais c'est totalement normal, c'est fait exprès. Vous les laissez sur le côté, comme ça. Quand vous êtes sûr que vous les avez bien branchés. Je vérifie. Ouais, c'est plutôt bien branché. Parfait. Alors maintenant, vous reprenez votre cache noir. Ce cache noir. Et là, vous le mettez ici. Mais il faut enlever le composant du haut. Il faut le faire passer. Vous pouvez le faire passer devant la manette. Comme ça, il ne vous gêne pas. Et ce petit composant-là, il faut qu'il passe au-dessus. Donc vous le prenez et vous le mettez sur le côté. Voilà. Et là, vous essayez de placer le cache noir. Alors très important, ici en bas, il faut faire passer aussi le composant vers le haut. Comme ceci, voilà. Voilà, parfait. Et vous replacez le cache noir. Donc là, vérifiez bien ici, en bas et à gauche, en bas à gauche, que les câbles passent. Je crois qu'ils peuvent passer en dessous, hein, je crois.
de vérifier, mais on va essayer de... Oui, voilà, ils peuvent passer en dessous. Ils doivent être au-dessus, enfin, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ils doivent être derrière le cache noir. Les deux câbles, le câble rouge et le câble noir, ils doivent être derrière le cache noir. Pareil de l'autre côté, ils doivent être derrière le cache noir. C'est pour les protéger. Donc là, quand vous êtes sûr que vous avez bien libéré le composant du bas, le composant du haut, le composant du milieu, vous pouvez visser la plaque. Alors là, la vis que vous allez devoir utiliser, c'est une vis noire. Mais de toute façon, toutes les vis noires sont les mêmes. Hein. Donc toutes les vis, logiquement, sont des vis noires. Il y a juste deux vis qui étaient claires. Les deux vis claires, ben, vous l'avez vu dans la vidéo hein, quand elles étaient claires et que je les vissais. C'était pour attacher l'avant et l'arrière de la manette. Enfin, l'avant et la partie centrale de la manette. Donc là, vous prenez une vis noire. De toute façon, les vis, logiquement, le site vous en envoie aussi. Regardez, j'en ai plein. Ici à droite, donc les blanches et les noires. Donc, les blanches, il n'y en a que deux à attacher. Et ils m'en ont même envoyé trois. Et des noirs, ils nous envoient blindés au cas où on les perdrait. Mais il n'y a pas autant de vis à visser. Hein. C'est juste en surplus. Donc là, j'attache la plaque. J'attache bien, comme d'habitude. Pas que ça crée de problème. Voilà, je pense que là, j'ai bien vissé. Ok, elle est bien enfoncée, elle est bien vissée. Donc mon composant ici, mon composant là, tout est ok. Alors le composant du bas qui est juste ici, il va falloir le reclipser, le remboîter à son endroit initial. Donc, vous faites passer la petite languette. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là il est bien repositionné. Il faut que là, la petite languette qui est juste ici à droite passe en dessous, là où il y a la place de toute façon. Alors maintenant, on va rebrancher la batterie. La batterie, elle était comme ceci. Donc, ça c'est la face lisse, on va dire. Et ça c'est la face brillante. Donc la face brillante, elle se met face à nous. Hop. Et là, vous allez rebrancher la prise de la batterie justement à son emplacement. Et juste à droite. En haut à droite de la batterie. Voilà, je vais pousser avec mon tournevis pour être sûr qu'elle est bien enfoncée. Voilà, j'ai bien fait de le faire parce que je ne l'avais pas bien enfoncée. Donc là, elle est bien enfoncée. Parfait. Donc vous la rebranchez en haut à droite. Alors maintenant, vous, ce que vous devez faire, c'est enlever le plastique qui est juste ici. Donc vous enlevez l'autocollant là. Et vous allez pouvoir coller le composant à la batterie. Donc moi, je ne vais pas le faire. Donc je vais juste faire ça pour pas qu'il bouge parce qu'en fait je compte redémonter la manette. Donc je vais juste coller une partie, voilà, comme ceci, pour faire en sorte qu'il ne bouge pas trop. Et je vais pas coller plus. Mais vous enlevez tout le blanc et vous le collez hein, parce que sinon ça ne fonctionnera. Enfin, ça va créer des problèmes. Alors maintenant que vous avez collé votre composant à votre batterie, vous allez devoir ouvrir les prises parce qu'ici elles sont fermées. Donc regardez, je vais essayer de vous faire un petit focus. Ici, il y a des prises et en fait, elles sont fermées. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement les ouvrir. Ok, voilà, je vous montre pendant que j'ai le focus. Donc là, vous ouvrez. Oups, ça l'a décollé, évidemment. Vous l'ouvrez comme ça. Hop, vous avez vu, là, je l'ai ouvert. Et vous allez faire pareil sur celui de droite. Vous le levez, hop. Voilà, là, vous avez ouvert les deux prises. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de coller, c'est de brancher le composant de gauche dans la prise du haut. Donc il y a une petite languette hein, pour vous aider. Voilà, vous le branchez, vous l'enfoncez et ensuite vous refermez la prise. Vous reprenez votre petit truc là, votre spatule et vous refermez la prise. Si la prise ne se referme pas, ça veut dire que le composant n'est pas assez enfoncé. Donc là, on va faire pareil avec celui de droite. On met le composant de droite dans la prise. Oups, j'ai refermé la prise sans faire exprès. Voilà. Dans la prise du milieu à droite. Voilà. Et là, j'essaye de refermer la prise. Si ça, la prise se referme, ça veut dire que le composant est bien placé. Parfait, le composant est bien placé. Donc là, j'ai placé le composant de droite dans le truc du milieu et le composant de gauche dans le truc du haut.
Il ne reste qu'un seul composant, c'est celui-ci, de disponible. Alors, très important aussi, faites passer le composant du haut en dessous du milieu. Donc, hop. Voilà, comme ceci. Comme ça, le composant du haut, il est disponible, il est libre. Et là, en fait, on va rebrancher la manette. Donc, on va revisser la manette à gauche et à droite. Donc, vous reprenez des vis noires et vous revissez les deux vis à gauche et à droite. Comme d'habitude, vissez bien les vis, sinon ça risque de poser problème. Je vous expliquerai plus ou moins, plus précisément après. Parce que moi, j'ai déjà eu un problème. J'avais mal vissé ma vis et en fait, je ne pouvais pas... ma touche L2 ou R2, non, L2 ou R1 ne fonctionnait pas. En fait, la vis faisait obstacle et je ne pouvais pas enfoncer ma touche. Donc, la touche était infonctionnelle. J'ai dû démonter et revisser la vis pour que ça fonctionne. Donc, vissez bien vos vis, sinon c'est la merde. Ok, donc là, j'ai vissé les deux vis. C'est parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la manette principale de côté et nous allons visser les palettes à l'arrière. Donc nous allons commencer par modifier l'arrière. Donc là, on parle toujours des palettes. Hein. Bien entendu, quand j'ai remonté la manette, vous, ceux qui ne veulent pas mettre les palettes, il faudra aussi la remonter comme je vous l'ai montré. Hein. Donc, sauf que vous, vous enlevez pas les composants, quoi, tout simplement. Vous remettez les composants tels qu'ils étaient. Donc, maintenant, on prend la face arrière de votre manette que vous avez acheté exprès pour les palettes et vous allez fixer le cache noir comme ceci. Il se place tout seul, regardez. Hein. Vous voyez ? Il se place vraiment tout seul. Voilà. Oups. Voilà. Ensuite, vous allez venir... Vous allez le tenir comme ceci et vous allez venir derrière et vous allez visser 4 vis aux 4 extrémités pour le faire tenir. Donc il y a 4 petits trous, vous allez visser les 4 vis pour que la plaque de l'arrière tienne correctement. Ok, donc voilà, là j'ai vissé les 4 vis. Alors maintenant, vous allez prendre les 2 petites palettes et vous allez prendre les 2 petites barres comme ça. Les 2 petites tiges. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous placez les tiges comme ceci à chaque palette. Et voilà. Ensuite, vous placez, donc là, il est marqué K2. K2. Donc, vous placez la palette K2 à droite dans les encoches, dans les 2 petites encoches. Voilà, faites une petite pression pour que ça se clipse. Voilà. Et vous faites pareil à gauche. Et voilà, mes 2 palettes sont bien placées correctement et elles ne tombent pas. Parfait. Alors maintenant, vous allez prendre votre manette principale. Voilà. Et vous allez faire passer la languette ici. Juste dans le petit trou ici. Voilà. Ensuite, ben, vous replacez votre manette, donc les 2 boutons L2 et R2 comme ceci. Hein. Vous ne remboîtez pas votre arrière de votre manette, vous la laissez comme ça. Vous les replacez juste plus ou moins, voilà, comme ceci. Vous la laissez comme ceci. Et là, vous allez prendre votre composant ici et vous allez ouvrir la petite prise qui était juste ici. Et vous allez mettre votre composant à l'intérieur. Donc, si je me souviens bien, ça se branche comme ça, donc comme ceci. Donc là, je pense que je l'ai bien enfoncé. Je referme la prise et la prise se ferme bien. Donc ça veut dire que je l'ai bien enfoncé. Alors maintenant, je viens avec mon composant et je vais devoir placer mon composant comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, il faut que vous replacez votre composant dans le petit trou ici. Il y a une petite tute. Il faut que la petite tute rentre en bas à gauche, juste ici, en bas à gauche.
Et là, maintenant, vous allez devoir visser en haut à gauche et en haut à droite. Donc, vous reprenez deux petites vis. Par contre, cette fois-ci, en fait, il va falloir utiliser une fine vis. Donc, il y a une vis plus fine que l'autre. Donc, il faut utiliser les vis les plus fines, pas les plus grosses. Les plus épaisses, faut pas les utiliser. Donc, on va prendre une vis fine et nous allons la mettre sur le composant et visser le composant. Et pareil pour l'autre côté, vous devez prendre une toute fine vis et la placer dans le composant. De toute façon, hein, les vis, quand vous les placez, si la vis elle rentre pas, c'est qu'elle est trop grosse. Hein, si vous n'arrivez pas vraiment à faire la différence, vraiment ça se voit à l'œil nu, hein, y a pas de problème. Mais bon, au cas où, si vous voyez que la vis elle rentre pas, ben, vous ne forcez pas tout simplement. Donc voilà, quand vous avez vissé, c'est parfait. Alors quand vous avez vissé votre composant aux manettes, les touches fonctionnent bien, c'est parfait. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire passer la languette. Donc, vous enlevez le cache arrière, vous le réenlevez. Et vous allez faire passer la languette. Donc, cette petite languette-là, du composant, vous allez la faire passer à l'arrière de la manette. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez remettre la face arrière de la manette. Voilà. Là, on ne voit plus le composant, donc c'est parfait. Donc là, vous pouvez remboîter la manette. Donc, vous la clipsez. Ici, en bas, il y a deux petites tutes qu'il faut remettre, remboîter. Voilà, comme ceci. Elles sont bien emboîtées. Et là, vous faites pression pour fermer l'entièreté de la manette. OK. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre votre petite plaquette ici. Vous allez prendre le morceau de verre, voilà, et vous allez placer le morceau de verre au-dessus, comme ceci, et vous allez le clipser, voilà. Ensuite, vous prenez ce petit bouton que vous allez placer juste ici à l'arrière et que vous allez mettre les deux petites tutes, que vous allez mettre dans les deux petites tutes, voilà, vous les clipsez. Ensuite, vous allez prendre votre plaque et vous allez l'attacher ici et ici. Bon, attends, faites attention parce que ça ne tient pas très fort. Le petit bouton ici ne tient pas très fort. Je vais essayer d'enfoncer plus pour voir. Ouais, non, il ne tient pas, donc on va devoir le placer comme ça. OK. Voilà, j'ai réussi et maintenant je fais une pression sur le haut. Voilà. Donc là, on a bien entendu le clap. Et maintenant, c'est parfait. Donc là, on a bien branché les palettes à l'arrière. Donc là, on arrive à la fin. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est revisser la vis de gauche et la vis de droite. Vous prenez les vis qui sont ici. Voilà. Et nous allons revisser les deux vis. Alors, comme d'habitude, hein, vissez bien les vis pour ne pas avoir de problème. Voilà, maintenant on va revisser les deux vis du haut, celle de gauche et celle de droite. Donc pareil, vous prenez les vis et vous les vissez bien. Et celle-ci, c'est très important, il faut vraiment, mais vraiment bien les visser. Parce que si vous les vissez mal, c'est à ce moment-là que mon bouton R1 ne fonctionnait plus. Bon, évidemment, on va prendre le tournevis aimanté parce que sinon, ça va être la galère. Voilà, parfait. Et pareil à droite. OK, donc maintenant, nous allons remettre la touche R1 et L1. Donc, c'est parti. Alors, pour les remettre, c'est très simple. Hein. Vous venez mettre la touche comme ça. Ensuite, vous faites une pression. Et là, si le clic se fait bien, ça veut dire que vous avez bien enfoncé la vis, que vous avez bien vissé la vis. Parce que moi, j'avais déjà eu un problème où quand j'appuyais sur le bouton, ben, il ne s'enfonçait pas correctement. Donc, la vis n'était pas assez enfoncée. Donc, c'est pour ça que je vous dis de bien visser toutes vos vis pour ne pas avoir de problème. Et là, ben, pour le bouton L1, c'est pareil. Hein. Vous le placez correctement. Alors, pour le bouton L1, c'est pareil. Hein. Vous le rentrez comme ceci. Normalement. Voilà, ça passe et vous faites une petite pression. Donc voilà,
Là, on a les deux touches qui sont fonctionnelles, donc c'est parfait. Alors maintenant, nous allons rajouter cette petite face. Donc vous faites rentrer les analogues, hop, comme ceci. Ensuite, vous le clippez. Faites en sorte que les petites oreilles là, elles doivent... Donc là, ça ne va pas. Il faut d'abord faire passer les petites oreilles, les petites antennes. Si je puisse dire ça comme ça, voilà, comme ceci. Ensuite, vous les boîtez. Vous boîtez le bas, vous emboîtez le haut. C'est très étrange, ça, pourquoi ? Voilà, ça a l'air de fonctionner. Ok, vous emboîtez le bas ici. Les manches. Et les deux petits bas. Voilà. Vérifiez bien que tout est bien fonctionnel. J'ai l'impression que c'est bon. Faites bien une pression partout pour voir si c'est bon partout. Et ça a l'air bon. Maintenant, vous appuyez sur vos touches X, carré, triangle, rond. R1, L1, R2, L2, R2. Vous appuyez sur vos touches ici. Les deux petites touches là, les analogues, les palettes. Vous appuyez sur votre bouton PS, ça s'allume, c'est parfait. Alors, j'ai branché ma manette pour vous présenter comment paramétrer vos palettes, si vous avez des palettes comme ceci. Donc, c'est très simple. Vous appuyez 5 secondes sur le bouton à l'arrière. Un petit LED rouge va s'allumer. Voilà. Maintenant, ça veut dire que vous allez pouvoir paramétrer votre palette de gauche et votre palette de droite. Par exemple, si moi, je veux que la palette de gauche soit X, je maintiens la palette de gauche comme ceci. J'appuie sur X. Là, ça va clignoter. Voilà, donc ça veut dire que ça a bien validé. Maintenant, si je veux que ma palette de droite soit carrée, je maintiens ma palette de droite, j'appuie sur carré, et là, ça va clignoter. Ok, donc quand c'est bon, quand vous avez paramétré vos deux palettes, vous appuyez 5 secondes pour éteindre, pour ne plus changer les paramètres, et maintenant, ce sera X et carré tout le temps. Bien entendu, vous pouvez paramétrer toutes les touches de votre manette. Si maintenant, vous voulez que ce soit L1 ou R1, ou L2 ou R2, ben, vous pouvez maintenir L2, enfin la palette de l'arrière, de gauche, et ensuite appuyez sur R2 ou L2, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez comment vous voulez paramétrer les palettes. Donc voilà, en tout cas, je pense que le tuto est terminé, touche à sa fin. J'espère que ce tuto vous aura aidé. J'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus détaillé possible. Bien entendu, j'ai eu des problèmes de micro, j'ai remarqué ça en cours de vidéo, d'enregistrement, j'ai vu que j'avais des problèmes de micro. Donc à certains moments, vous avez entendu le micro de ma caméra. Je suis désolé, la qualité n'était pas très très bonne. Donc la qualité de la caméra non plus n'est pas super super correcte. Mais voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. J'espère quand même que ce tuto vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Gaming Cobra si jamais ça vous intéresse, avec mon code créateur, enfin mon code promotionnel SCM, qui vous donne 10% sur tous vos achats. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.